Shepherds, 40 sheep, and the suburbs of Paris. In the heart of the French capital, Julie Lou Desbruy and friends are pursuing a bold experiment. Ça fait trop plaisir d'être devant les troupeaux. C'est une sensation que j'aimerais faire découvrir à tout le monde. The women run the farm in the north of Paris as a cooperative. They want to show that agriculture can also work and thrive in the city. The cooperative is a melting pot of cultures and cuisines. To eat on the farm, there's Tunisian flatbreads, lamb pot-au-feu, pumpkin soup, salad with grilled vegetables, and gâteau breton. The farmstead is situated in a large park in the high-rise district of La Courneuve. Julie Lou Desbruy is the head shepherd, but everyone is welcome to help out when it's time to drive the herd through the suburbs to new pastures. Allez-y, traversez! Ouais, je sais pas comment expliquer ce sentiment, c'est ça notre vocation, c'est d'être à l'avant des troupeaux et montrer le chemin, trouver des bons plans pour les brebis, qu'elles soient heureuses, et c'est ça notre métier quoi. Au début, on pensait que c'était absurde et que c'était un contraste hyper intéressant, mais c'était un peu pour le fun, quoi. C'était pour interroger les habitants de la ville sur le fait que la ville était trop bétonisée, etc. Et puis en fait, les animaux, c'est les brebis qui nous ont montré que bah, elles étaient très heureuses en ville et qu'on pouvait augmenter le troupeau, il n'y avait pas de souci de nourriture, que c'était un vrai bonheur, quoi. Donc on a fait comme les brebis voulaient, on a augmenté le troupeau, on a développé le projet et on est passé de 8 à... On est monté même jusqu'à 110 brebis dans le troupeau, quoi. Là, c'est trop pour elle, en fait. C'est trop, mais on a une diversité, regarde, tu vois, tous ces buissons, là, qu'on voit. Such as on this October day. The sheep walk on the pavement like everyone else, assuming there are no major obstacles. Allez. About 5 kilometers to the east, Ibtissem has stayed behind on the farm. She lives nearby and volunteers for the cooperative in her free time. She's making flatbread for the shepherds, a recipe from her home country of Tunisia. Les bergères, oui, elles aiment ça parce qu'on a déjà, fait ça. Et du coup, ça a eu un succès. C'était bon, hein, tout le monde s'est régalé en fait avec ce pain. C'est léger, c'est à base de semoule, c'est fait maison. Et aussi, ben, ça me rappelle ma jeunesse, tout ça. Donc ma grand-mère, elle faisait ça et du coup, ben, j'ai regardé, j'ai appris à le faire. Pour savoir que la pâte, elle est prête à cuire, ben, ça devient très élastique
Et il faut que par moment ça pète. On entend des petits pays comme ça. Voilà, ça veut dire la pâte elle est déjà prête pour à cuire. Ibtissem coats the flattened dough with olive oil, then folds it four times. من وسط قلبي ماخذة ميزانة. À chaque fois qu'on est là, ben, on voyage en fait. On voyage en étant sur place. Ici à la ferme, ben, comme je suis un petit peu chez moi. Ça me rappelle aussi toujours la Tunisie, l'ambiance familiale et tout. Et du coup, ben, à chaque fois, il y a cette ambiance un peu qui rappelle là-bas. Et tout le monde est rassemblé en fait. Ce qui manque, ce que je trouve, c'est que voilà, on est un peu, on travaille un peu dans le collectif et dans l'humain surtout. Ce qui manque un peu ici. Allez, on bouge. Hop. 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 Allez. De la main chez moi. Allez. Salut, ça va? Oui. The sheep have arrived at their new pastures on the campus of Sorbonne Paris North University. And thanks to Ibtissem's flatbread, the shepherds can enjoy a well-earned bite to eat. C'est très gentil. Merci. Merci. Les moutons, ils sont allongés. Ils sont bien. Ça y est, ça commence à chômer. Bon, on se refait une petite santé. Honey for the flatbreads, naturally also from Paris. A shared lunch after the work is done is something to cherish for the farm colleagues. C'est dans la tradition. Mais le problème, c'est que plus personne n'a de temps. Donc tu te retrouves tout seul. Alors tu vas acheter un sandwich dans un bout de plastique. Et... Mais ça, c'est la vraie vie. The cooperative farm is a stone's throw from the motorway on the edge of Georges Valbon Park. Everyone here is a volunteer and has other jobs and responsibilities. For Julie Lou's regular team, there's also space to relax and, of course, a kitchen. Rose, a Breton herself, is making a gâteau breton. A traditional sailor's recipe that calls for plenty of salted butter. C'est une recette assez simple et c'est des ingrédients qu'on utilise souvent en Bretagne. Beaucoup de beurre, beaucoup de sucre et de la farine. Et on le faisait lors d'occasions, notamment quand les marins devaient partir pendant plusieurs mois ou pendant la Première Guerre mondiale, les soldats qui partaient sur le front pendant plusieurs mois parce qu'en fait, sa teneur en sel est assez importante et ça permet de le conserver longtemps. Before it's baked, the cake is brushed with egg yolk and embellished. The cooperative is well networked and collaborates with other urban horticulturalists. Julie Lou is taking a delivery of sheep manure to some friends. Si tu as envie de manger, tu fais de l'agriculture. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas à négocier. C'est, tu veux manger correctement, tu fais de l'agriculture. Et l'agriculture, ça commence par les animaux, le fumier. Avoir du fumier dans la ville, c'est vital, c'est... tu peux pas faire d'agriculture sans fumier. Oh, salut. After the first batch has been dropped off,
Julie's next stop takes her into the underworld of the city. A traditional form of urban agriculture is still underway in the cellars and catacombs of Paris. Mushrooms have been cultivated here since the time of Napoleon. Today, there are only a few underground mushroom growers remaining in the region. One of them is Bruno Zamblera. Bonjour Julie, tu viens chercher quelques champignons? Eh oui, je viens chercher un petit panier. Un petit panier, bah écoute, je vais te le cueillir fraîchement. Des petits champignons de Paris rosés, très parfumés. Je peux t'aider? Bien sûr. Tu prends, tu tournes le pied, tu nettoies le pied. Ah, je nettoie pas. Ah si, tu vas avoir plein de terre dans ta petite barquette, sinon on regarde. Ouais, je les essuierai dans la cuisine. Ah oui, mais... Down here, there's a stable autumn climate, which is ideal for mushrooms. Cela fait 4 générations que nous cultivons des champignons de Paris en Île-de-France. Mon premier, c'était mon arrière-grand-père qui a commencé cette production. Moi, je l'ai repris après une interruption d'une dizaine d'années pour faire une production de culture raisonnée et uniquement portée sur la vente directement aux consommateurs. The farm grows some vegetables, but their main product is meat, much of it cooked by the women themselves. Julie Lou and Rose are making pot-au-feu, a French stew, on this occasion with a stuffed whole rooster. The stuffing is of bacon, shallots, veal and chard. Donc on vérifie qu'il y a rien à l'intérieur, non? C'est bon, je l'ai très bien vidé. Bah, je risque de te percer la main, ma pauvre. Faut vraiment aller chercher. To accompany the meat, an onion studded with cloves. Donc là, on a du collier et de la poitrine de mouton adulte. C'est des morceaux que personne ne consomme, en fait, aujourd'hui. Et nous, ben, on ne les vend pas. Et donc, le pot-au-feu, c'est une excellente recette pour cuisiner des bas morceaux, comme on dit. Julie Lou prefers not to sell the meat. Je ne sais pas combien coûte cette viande, mais elle n'a pas de prix pour moi. Je préfère la partager, la donner, la manger avec des gens avec qui je vais passer un bon moment. Mais la vendre 30 euros le kilo, ça n'a pas de sens. À chaque fois, c'est une émotion particulière. Et à chaque fois, il y a une pensée, un souvenir de cet animal-là en particulier qui arrive. Et pour moi, c'est la meilleure manière de manger la viande, c'est de connaître l'animal qu'on élève. Je fais les navets ? Ouais. While the meat is cooking, Julie Lou adds turnips, potatoes and carrots. Qui veut de la soupe bien chaude ? Oh. 3 hours later, and the pot-au-feu is ready. First, the broth. Bon appétit! Bon appétit! As an intermediate course, a raw mushroom salad, Julie Lou has added olive oil and lemon to the sliced mushrooms. Tu veux la farce? Finally, the meat is served together with the vegetables. Sylvie, tu veux que je te serve? Alors, un tout petit peu de tout, s'il te plaît. Voilà. C'est un agneau? Non, c'est un jeune adulte. C'était cappuccino. Et bien maintenant, jeune adulte. Mm-hmm. D'accord. Tu es une jeune adulte. Voilà. Mm-hmm. Et bien c'est pareil pour les moutons. Voilà. Sauf que toi, on va pas te manger. Ouais. Voilà. Ok, pas forcément je vois. Voilà. Catégorie. The next morning, and Julie Lou is taking the sheep back to the pasture after a night in the enclosure. The women take turns in tending the sheep. Only Julie Lou is a full-time shepherd. She also looks after other flocks in the area. C'est comme ça qu'on garde, en fait.
Là, il n'y a pas de barrière, ils sont au milieu des étudiants, ils vont bien, ils sont bien dans leur tête, ils n'ont pas peur, alors que c'est des animaux proies. Hein. Normalement, là, il y a des gens qui les touchent, qui ne connaissent pas, ils devraient déjà être à 800 mètres en train de fuir. Non, ils ne fuient pas parce qu'ils savent que je suis là, ils savent que je les surveille. Et d'ailleurs, dès que je reste trop sur mon iPhone ou que je lis un livre, ils disparaissent parce que je ne remplis pas mon travail de berger. Et ils le savent. D'être paysan en ville, c'est pas bizarre. C'est pas nous sommes les premiers. C'est juste, on est humain et on aime la ville. Parce que ça apporte plein d'avantages, la ville. C'est quand même un lieu où tu peux rencontrer des gens. Et être seul face à la nature, dans la campagne, où il n'y a plus personne, en fait. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment... c'est dur. Et si on aime les humains, on aime la ville. Back at the farm, Ibtissem is making lunch for everyone with the help of Sylvie. Some of the herd are already returning. For a Tunisian salad, Ibtissem lays green peppers on the coals until the skins begin to blacken. Bon, il y a eu un petit problème avec le mildiou cette année, mais tout le monde partout. Donc pour les tomates, c'était problématique. On n'en a pas eu beaucoup. Mais sinon, on n'a pas acheté de légumes depuis la mi-juin, je crois. Donc on a mangé beaucoup de salades, beaucoup de choux. Et la salade tunisienne, bah, c'est basé un peu sur poivron, tomate, donc c'est un peu particulier. Il faut s'approvisionner ailleurs. The burnt skin is scraped off. Peppers, chilies, tomatoes and garlic are pounded together in a mortar. La percussion, c'est partout. Finally, Ibtissem flavors with cumin and oil. C'est bon, mais c'est un petit peu piquant. Désolée, mais c'est la salade meshouia tunisienne. Quand c'est piquant, c'est que c'est bon. Artist Rose often works with wool. Today, it's going to be cleaned. Ibtissem is a special education teacher for people with disabilities. Some of her students are here to help out. Ah ouais, d'accord. A fleece is the wool of a sheep in a single piece. Là, en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est enlever oui, tous les végétaux, toutes les bardanes, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Et par exemple, ça, on peut enlever. Ça, c'est vraiment c'est des excréments sur la toison, ça, on peut enlever. Les petites pailles aussi, comme ça, on enlève. Voilà. Ben, ça sent le mouton. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. Moi, je trouve que c'est... J'adore l'odeur du mouton. Je trouve ça extrêmement apaisant. Et même la toucher, en fait. C'est une action anti-stress. Ouais, à travailler, c'est un plaisir. Ouais, c'est pareil. Donc, on met juste un petit peu là, tu vois. Oui. Et après ouais. Après, on va commencer juste à faire des petits gestes comme ça. Pas trop fort. Va pas trop fort, Moussa, comme ça. Oui. Juste vers le bas, là, pour tirer un petit peu. Essaye comme si tu es en train de peigner. La brosse, comme la brosse, oui. Exactement. C'est ça. Karim. Hop. Je vais la nettoyer après qu'on va utiliser celle-là. Ah, d'accord, ok. Bah, chacun s'adapte un peu... au card, en fait, c'est, oui, à chaque fois, c'est à peu près le même geste.
Mais on a chacun nos petites astuces pour faire un peu différemment. Voilà, je fais comme je le sens. En fait, il n'y a pas vraiment de technique bien précise. Donc le but, c'est d'avoir un petit peu un petit nuage, on va dire, de ça, de la laine, pour qu'après, on utilise le fuseau pour filer la laine. Le cardage, ça aide à travailler la motricité, la patience. Ça demande beaucoup de patience, hein, le travail de la laine. Donc, à gérer ses émotions aussi. Ils sont conscients, hein, de tout ça. Ils s'investissent. Et en même temps, ils prennent soin un peu des animaux, mais ça leur procure aussi un bien-être. Je trouve que certaines personnes, elles sont contentes rien que d'être là, à la ferme. The tasks have been completed, the sun is out again, and the helpers have said goodbye for today. Il est où le beurre de micelle, là? Oui. Ça, c'est les Bretonnes mal polies, ça. On a le choix, baguette ou galette. Alors? C'est bon. C'est bon, hein? Avec les galettes, c'est tout. Ouais. C'est délicieux. For dessert, the gâteau breton. Tu vois, il nous fait la coupe traditionnelle. D'accord. Oui, parce qu'il y a des croisillons qui nous permettent de... Ah oui, d'accord. Très bien se marier avec eux. Ah oui. There's also plum jam for the cake. Ça te va? Oui. Mais n'empêche que c'est marron, ça me fait penser à du Queen Yamem, mais avec une autre consistance. C'est, bon. C'est exactement les mêmes. C'est du beurre, du sucre. Ouais. C'est ça. C'est fat. Le beurre, principalement le beurre. The garden is a place for experimentation. Last spring, Julie Lou planted various types of pumpkins on a mound of sheep manure. Now they are ripe for picking. Julie Lou plans to turn this giant specimen into tonight's evening meal, helped by Axel, the youngest of the farm helpers. Hop! C'est parti. Attention, lève ta main. Et voilà. Ouais. Bon, bah faut l'amener à la cuisine. Oh, tiens, merci. Et maintenant, avec la cuillère, tu peux creuser et mettre les graines là-dedans. Et après, on verra pour la chair. Okay. Moi, je vais faire les patates. C'est la recette du potiron sans soupière. Ah, je vois pourquoi. Alors, t'as fini? Après, il faudra récupérer toutes les graines pour l'année prochaine. Ouais. Le projet de l'association, c'est vraiment de vivre dans une ferme et d'essayer d'être au maximum dans ce qu'on appelle la culture paysanne. C'est-à-dire être dans un cycle parfait de A à Z et Z à A et ça tourne. Et c'est-à-dire que les animaux, les plantes, les humains, tout le monde, les saisons, tout est lié et s'harmonise parfaitement. Et tout sert à quelque chose, qui sert à quelque chose, qui sert à quelque chose. Parce qu'on a découvert que l'humain était fait pour vivre dans une ferme, en fait. C'est là où on est le mieux. Bah, surtout que c'est pas vrai pour tous, en fait, je pense. Ah, mais qui reste dans les usines, les autres. Ah ouais, mais c'est pas tous, alors, c'est nous. Non, 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 je pense qu'il y a un réel bien-être et que ce soit... Enfin, c'est universel, je pense. They rub the inside of the pumpkin with coarse salt. Là, je mets le chapeau. Thanks. The pumpkins then baked for an hour at 180 degrees. Et voilà.
While it's in the oven, Julie Lou makes a pumpkin and potato soup, to which she adds plenty of nutmeg and cream. Merci. Et c'est bon? D'abord, on mange. Okay. Et après, tu peux, tu peux venir prendre de la citrouille comme ça. Et là, t'as le goût pur de la citrouille. Alors, le gage, c'est si tu fais tomber ton bout de citrouille, bah, tu dois curer le poulailler. Voilà. C'est toi qui as un gage. Là, t'as deux gages. Voilà, poulailler. Plus la bergerie.